Évidemment, il y a l'entrée de Jack London qui trouve tout à fait sa place dans un théâtre. Et dans ce théâtre-là, parce que d'abord, c'est un immense écrivain, mais en plus, c'est quelqu'un, c'est un artiste qu'on peut attraper de plein de façons différentes, par l'ailleurs, par la mer, par la notion de liberté, par ce qu'il a d'insolence dans la transgression, dans l'idée que la société n'est pas ce qu'elle devrait être. Enfin, il y a plein de façons d'attraper cet artiste et d'entrer dans un univers littéraire absolument formidable. Ça, c'est la première chose évidente. Et puis l'autre, c'est aussi parce que le projet vient de Gildas Leroux et que c'est quelqu'un que non seulement j'apprécie, mais pour qui j'ai la plus grande estime dans ses entreprises, qui sont toujours au plus près de la chose artistique. Donc voilà, essaimer le message de Jack London, mais aussi le personnage étonnant qu'il était au travers dans toute la ville, en partant de cette exposition à la Vieille Charité qui est une splendeur. Il y a des liens aussi entre les musées et la criée, mais il y a aussi des liens entre l'ethnographie, entre le goût de l'ailleurs, entre ces artistes qui partent voir ailleurs et qui regardent chez l'autre, qui voient chez l'autre une dimension du merveilleux, quelque chose d'absolument étonnant. Et nous, je sais qu'ici, on a un spectacle qui s'appelle Les âmes offensées, que l'on fait au musée du Quai Branly. Donc il y a aussi tous ces liens. Il y avait une espèce de logique artistique et humaine qui a fait que la criée a trouvé sa place dans le concert Jack London qui se donne à Marseille. L'écriture de Jack London, c'est un choc. Je crois que quel que soit l'âge auquel on lit Jack London, qu'on y entre par Faire un feu, qu'on y entre par Martin Eden, qui est son absolu chef-d'œuvre, quelque chose, il y a forcément une résonance, il y a un choc littéraire, mais il y a aussi un choc humain. C'est-à-dire que c'est un personnage qui s'invente lui-même. Il y a déjà l'autofiction, il y a déjà une rêverie sur l'idée de partance. Et ça correspond tout à fait à l'esprit de Marseille, ce port d'où on arrive et d'où on part. Et quelque chose d'aller chercher son destin ailleurs. Et moi, je l'ai lu adolescente, à 13 ans, un peu au hasard, parce que je suis tombée sur ce livre dans un tourniquet de libraire où je jouais à attraper un livre au hasard. Je suis tombée sur Martin Eden, j'ai été sidérée. C'était immense, c'était comme une mer littéraire. En plus, c'était une autre civilisation. C'est quand même un grand écrivain américain, donc il y avait aussi cette forme d'exotisme. Lui qui va chercher d'autres peuples et qui a une empathie avec d'autres civilisations, il se cherche lui-même au travers des autres. Et il y a quand même quelque chose d'un point de vue de la littérature américaine très très puissant. Donc c'était extrêmement enrichissant. Et puis c'est une façon aussi de découvrir la masculinité, c'est-à-dire que c'est prodigieusement un homme, avec tout son mystère, son énigme, quelque chose de définitivement énigmatique. Qu'est-ce que c'est? Et je pense que c'est un livre à faire lire aux jeunes filles de toute urgence, parce que c'est la part la plus étonnante d'un homme. Sa rugosité, sa finesse, son goût de la découverte jusqu'à la brutalité, la façon aussi de ne pas s'économiser et d'aller jusqu'à l'autodestruction pour savoir davantage. Voilà, et c'est aussi dans cette mesure de l'homme dans la société américaine aussi. Et la fresque sociale aussi, c'est une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est-à-dire ce jeune garçon, Martin Eden, Jack London, c'est en miroir, ce jeune garçon qui est fasciné par la bourgeoisie et par toute la culture que l'on trouve et la connaissance que l'on trouve dans le milieu bourgeois américain, et qui, une fois qu'il a atteint cette connaissance, parce que c'est un autodidacte génial et un homme qui approfondit, une fois qu'il a acquis ses connaissances, l'extrême déception qui s'ensuit parce que il déteste le conformisme. Et ça, c'est une leçon magnifique, je crois que... Et comme personne et comme artiste, deux fois, à deux reprises, il faut renoncer au conformisme et le bâton en brèche, et le conformisme, le confort, l'immobilisme. Il faut toujours aller ailleurs, aller plus loin, hors de soi aussi. C'est la meilleure façon de se connaître.